Et Boucadia qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah! Allez, pour la première fois sur ma chaîne, le nouveau jeu Neversong! Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Donc pour la prochaine heure, on va tester ça. Divinity Forge. Semblerait être en français. Pas nécessairement changer les langages. Olive. Le sang est une histoire émouvante de perte et d'espoir. Certains thèmes, comme le décès bouleversant, peuvent affecter les émotions des utilisateurs. À tous ceux qui souffrent, sachez que vous n'êtes pas seul. N'hésitez aucunement à demander de l'aide. Salut, Matador. Et une fois, un garçonnet. Un orphelin sans un seul jouet. His name was Pete. Pete était son nom. His world son monde était gris. Jusqu'au jour où quelqu'un devint son ami. One day, it was ce ne fut pas une connaissance banale qu'il fit. She was but the de toute la ville, c'était la fille la plus jolie. From that day on, depuis ce jour, chaque fois qu'il le put, il s'élancèrent à l'aventure. Her name was Ren. Elle s'appelait Ren, so et si jeune et gay. She even had elle avait même a un petit piano dont elle jouait. From sharps and flats et dièse au bémol au do central. Elle a pris à Pete à lire, à jouer, à saisir les intervalles. Mais alors qu'un fatidique soir, il cherchait un endroit où jouer au hasard, Pete et Ren s'aventurèrent au-delà d'une porte condamnée. Il les mena au milieu d'une asile abandonnée. Et surgit des ombres, un visage ivoirin arracha le pauvre Ren au loin. Pete was not like Ren at all. Pete n'était pas du tout comme Ren, effrayé et grêlé, son dernier adieu fut cela. Car dans le coma, Pete tomba. Le jeu est beau, non? Ouais. Écoutez les messages. Salut. C'est moi. Le jeu par Thomas Brush in Serenity 4. La bite. Je vais essayer quelque chose. Ah, il descend mais il monte pas. Et là, vu que j'aurais dû... Ça marche plus à cette heure. Fallait que j'aurais ouvert l'avant-dernière avant, j'imagine.
Développé par Eric Coburn. Un portrait, le mot sourire est gravé dans la toile. Et je pense que je suis revenu au début. Là, toi. Faut dans les mains, monsieur. Monsieur. Donc, on va ouvrir la seconde porte. Non, pas là. Oh, t'as ouvert cette fois. Neversong. Poste de feston postérieur 1952. On mate la poussiéreux. Les parents de Ren sont super gentils. Dormir là-dessus, ça vaut mille fois le lit du vieil orpheline. Un peu plus la maison à sortir. Cheeran. Cheminée, bien agréable, sauvegarder la partie. Ça pourrait rester un petit sauvegardé. Merci de l'avoir précisé. Un vrai. Un vrai musicien. Village de Pouprevaux. Redwind Village. J'ai un parapluie, pardon, je pourrais aller plus haut. Pas là à gauche. De manière, mais je sais pas encore comment.
Il y a quelque chose écrit sur le sur la porte. Tout est désormais la propriété de la banque. Exclusif de Feston Posterior. Ça s'appelle désormais le pavillon de Feston Posterior et vous pouvez aller en prendre une belle. Dormez. Salut, on va pas encore moins tard. Je suis en train de sauter un milliard de fois, puis je me suis dit qu'il fallait que je saute 1,550 milliard fois. Comme ça, je me sentirais super bien. Pour la même raison que faire pousser mes cheveux jusqu'à 1,115 m, ça me donnerait l'impression d'être un dieu. Oh, tu veux quelque chose? Ouais, oui, Ren. Vu que c'est à cause de toi que les parents de tout le monde n'arrêtent pas de disparaître depuis le début de l'été, tu ferais mieux de garder ce genre de questions pour toi. Comment ça? T'es évanoui de peur quand Ren s'est fait enlever, alors les grands sont retournés à l'asile de Fourche Noire pour essayer de la retrouver. Et ils ne sont toujours pas revenus. T'inquiète, mec, juste fais attention quand tu poses des questions à la noix. Moi, je vais très bientôt partir à la recherche de mon père à cause de toi. Une fois que j'aurai fini de compter, évidemment. Ok, à plus. C'est bourré avec un genre de cadenas. C'est verrouillé. C'est pas verrouillé. Barbier de pou... Il y a un message qui fouille. Ah. TGGB. Prendre une photo. Oh, quelqu'un veut l'écrire dans le... Et où mon... Je vais prendre... Voyons, mais il est où la caméra? Bon, c'est fait. Appelle-toi notre chanson, puis comment c'est arrivé là? CGCGB. Ta photo? CGCGB. Pete, enfin, tu es réveillé, ça fait chaud au cœur. Qu'est-ce qui se passe? J'allais m'aventurer dans les égouts à Canes. Arachnes pour chercher les grands. Je dois bien avouer que j'ai peur de l'inner d'Angoul. Oh, comment as-tu tenu le sérieux calamnésie et regarder l'égout à Canes? Tu n'as quoi préféré les derniers mois, toi, Ren, tout le monde? Ah oui, enfin bon, je crois qu'il y a un grand là. Là-bas, j'ai entendu des cris. Et à plus. Joe Bock joue à une vieille chanson, l'écran m'a dit qu'elle s'appelle Mama Make Me Happy. Allons au piano rapidement. Donc CGCGB, c'est ça? Yes! C'est ouverte. On va l'explorer dans quelques instants. Vous curez. Oh, d'accord. Batte de pauvre vent! La batte de baseball vintage de Ren est sa super poignée. En cuir, on sent qu'elle ne demande qu'à frapper plein de trucs. Thank you.
Une sainte battue, fais attention. Pas le temps de niaiser avec lui. Tu vas me donner une batte. De l'intérieur. Bonjour, monsieur. Salut, ça va? Je pensais vraiment que tu sortirais jamais de ce coma, mec. Ah, je suis content que tu sois de retour, mais dommage pour Ren. Enfin, apparemment, elle a genre été kidnappée juste devant toi, mais les autres ils disent que t'as eu tellement peur que t'es tombé dans le coma. T'inquiète, personne ne te juge, c'était trop. C'était juste trop une poule mouillée pour pouvoir prendre soin d'elle, la cogne. Ne valait pas la peine pour toi, je comprends. Ren's nickname? Et c'est dans Ren, on l'appelle tous la conne. Pas sûr que j'ai l'habilité là, à moins qu'il faut que je tape dessus. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a par là. Bruit de l'intérieur. Bon, faut juste chaud dessus. Tabarouette de cabochon que je suis. Can I help you, Peach? Oof. Oof.
faut que je fasse ça. Ben, j'y ai pensé justement, mais j'y ai pensé. Renfield, le champ de poupons. Pete, it's me, Bird. You woke up. Salut, quoi de neuf? Pete, c'est moi, l'oiseau. Tu es réveillé? I'm locked in this cage. Enfermé dans cette cage. Voilà, quoi de neuf? Donc, en arrière, je viens de voir Rand. Vraiment? Oui, un homme emporté dans les égouts à Arathnest. Sans ce médicament, je ne crois pas qu'elle tiendrait longtemps. Il faut qu'on aide. Ok. Vas-y. Quick, use the bat. Utilise cette barre pour me sortir de cette cage. Ok. Papi. Parkour. Parkour, salut. Là-haut, Pete, je te vois. C'est moi, Gun Boza, le suprême ninja de parkour à ton service. T'as pas vu Ren? Et je l'ai vu, un type l'emporter dans les égouts à Kines. Il avance en rampant et l'a traîné dans une cage. Je sais pas trop c'est un problème. Quoi? J'ai voulu aider, hein, mais ben, j'avais déjà dit à John que je l'aiderais à retrouver son père. Donc bon, je suis un peu préoccupé. Est-ce plaisant? Ouais, Ren m'a pris comment monter sur cette espèce d'œuf. Mais en fait, elle m'a jamais appris comment descendre. Encore de comprendre. Ces trucs font fureur en poupre-ventre. Il y a plein de cachets partout. Assure-toi de les ramasser et de les équiper pour modifier la tenue. Hey, puke face. Hey, tête de vomi, viens ici, me file un coup de main, je suis coincé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pas évident, vomito, non? J'ai un trouble, un point flassatoire. J'enlève de façon aléatoire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour t'aider? Passe-moi mon inspecteur d'insuline, une espèce de pète de vomi, ma maman elle l'a donné. En cas d'envie de caca comme maintenant, il est où? C'est ça, petite. Les araignées me l'ont chippé dans ma poche, ils sont grimpés à un arbre. On équipe. On va préférer le Ren, oui. Wow.
Attention, voilà Punky, c'est moi Punky, salut Punky. Simon a dit d'aller lui trouver des lettres. Je suis trop occupé à danser. Qu'est-ce que ça dit de mes mouvements? Trop top. Mon anniversaire, je suis trop fier de moi d'avoir atteint le nouvel âge. Je suis enfin assez grand pour apprendre à faire des matchs. C'est ma de la science, vraiment? Non, tu veux savoir pourquoi? Dans un sens, vas-y. Ben, une fichue araignée est venue me murmurer un truc à l'oreille. Tu veux que je te dise ce qu'elle m'a raconté? Elle m'a dit de dorteur sourire, il va me manger les jambons en tentant ça. Espèce de petite tête de vomi. Et regarde ça dans l'arbre, c'est pas l'inspecteur de Sion de Simeon. À toi, les autres, merci. On s'approche, on dirait. Mon inspecteur d'insuline! Donnez-moi, monsieur tranche de fesses! Éclate-moi, ça fait super mal, mais faut que tu m'éclates! 3, 2, 1. Allez, piquez! Ah zut! Gourachness, allez, ces araignées vont me manger tout cru. Il manque de quoi? Oh, bah là, go. Maison. La boue de Preston. Pete, bienvenue dans mon complexe de recherche de la dernière génération. Ça, mon ami, c'est là où je vais percer cette histoire de disparition des adultes et de notre pauvre ami Ren. Il n'y a aucune raison dans laquelle la science ne peut trouver de réponse, si tu le dis. Mais bon, je dois l'admettre, je n'ai rien d'autre que des questions. Examinons-les, il y a un mille pattes géant en bas et elle semble ne réagir qu'aux odeurs. Il y a un homme bizarre qui rôde autour en poupre-vent et ses environs. Je l'ai même pris en photo pour le château d'eau. Des marais, oui, tout s'est fait en bel et bien étrange. Mince, mon intellect ne peut que sonder les grandes récompenses que j'aurai à écrire.
Ma thèse sur ces questions si dégoûtantes. Je devrais me mettre au boulot. Et Harry adore qu'une journée de lecture et de recherche ne puisse se charger. Votre sourire, une cage d'oiseaux. Preston a dessiné un schéma de la craie sur les racines. 1000 araignées. Wesh. Âge. Propriété sourde, aveugle et somnolent, il est possible que l'on lui donne. Il lui donne un gros sédatif. Remarque les fréquentes cardiaques augmentées, un certain odeur, particulièrement celle de la boue. Des œufs d'araignée et du sable. Jésus, fatigué. Attends un peu, je viens de comprendre quelque chose. On est amis, j'ai jamais vraiment su. Ouais, on est amis juste parce que Ren était là pour moi. Maintenant qu'elle est plus là, je me demande vraiment qui est. C'est quoi ta couleur préférée? Genre, si t'avais à choisir entre de rouge, bleu. Le bleu est déprimant, je ne le ferai jamais avec toi parce que t'es déprimant, c'est dur d'aimer les gens déprimés. Parcours, 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 wahou, pis tu te chies, yeah, c'est moi. Bon. Cheminée bien gravée, sauvegarde. Rien à toi, rien, je pensais juste que les parents ils manquent. Ça fait un moment qu'ils ont disparu. Tu as déjà entendu parler du château d'eau de Feston de Postérieur? J'ai une théorie. Donc, mec, t'es blanc comme un linge, je crois que tu tiendras choc. Et salut. Salut, Pete, quoi de neuf? Rien, je te l'ai dit. T'es évanoui, rien de plus. Excusez. Thank you.
Un tatouage à mes fesses sur les fesses. Et qui va se faire tatouer ses fesses sur ses fesses. Que je n'ai pas vu. Cette journée est plus bizarre. C'est quoi cette chose? C'est encore cette chose vilaine. Cette chose qui avait enlevé Ren. Cette chose qui avait enlevé Ren ne me met pas en colère, je suis qu'un enfant. Mais son visage ridé n'affichait qu'un sourire béant. Je meurs de faim et il me faut de la chair. Alors j'ai enlevé ton ami pour me mettre en fer. On dit qu'en aucun cas on peut redonner pour aider le premier printemps. Ah.
Ça donne la jeunesse selon eux. Help me, Puke. I think she's hungry. Wow. Ce truc est terrifiant. Qu'est-ce que c'est? J'ai une théorie. Laisse tomber, c'est un peu dingue. Ouais, le petit gros. Et voilà, c'était tout pour le jeu Neversong pour aujourd'hui. J'ai les yeux en compote, je sais pas si je vais pouvoir continuer, je m'endors.